Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour les conseils de ce mercredi 9 octobre 2024. Les conseils et les messages. Et avant de commencer, petite pensée positive de ce 9 octobre, la sagesse des enfants. Les enfants sont de grands sages. Ils savent s'émerveiller, ils savent s'amuser, ils savent rire, se concentrer sur le moment présent, dormir quand ils sont fatigués. Ils sont simples et sans préjugés. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Bien voilà la sagesse des enfants. Belle pensée, et puis j'ai une petite pensée pour mon fils, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, une petite pensée pour mon fils. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 10. Et le conseil, la carte numéro 10, c'est « L'effervescence n'est pas mauvaise quand elle reste tournée vers ton but ». Et le conseil de cette carte au point de vue finance, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, n'est-ce pas? Une jolie rentrée d'argent peut parfois bouleverser une vie. Ne soyez pas trop gourmand, apprenez à en garder pour plus tard. Oui, faites-vous un petit bas de laine, n'est-ce pas? Alors, côté professionnel, eh bien, le conseil est ne mélangez pas ressenti et réalisation. Vous ressentez peut-être un changement à venir. C'est pour vous une évidence. Cela ne quitte plus vos pensées. C'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais ne précipitez rien, n'est-ce pas? Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. L'heure de ce nouveau départ n'est peut-être pas encore arrivé, donc ne soyez pas impatient. Soyez patient, il va arriver, c'est que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour ce nouveau départ. Et puis, le petit coup de pouce de l'univers, n'est-ce pas, qui va mettre tout en place pour que, eh bien, que votre ressenti se réalise, n'est-ce pas? Côté sentimental, eh bien, conseil, toute excitation joyeuse est noble si elle ne vous éparpille pas. Vous pouvez exprimer votre bonheur et vos projets si vous n'oubliez pas de laisser de la place à votre conjoint, conjointe. Attention, attention, un averti en vaut deux. Et je terminerai avec le côté spirituel. Le conseil, c'est ouvrez grand, grand et grand votre cœur au monde spirituel. Vous êtes aimé tel que vous êtes, n'est-ce pas? N'en doutez pas. Ne cherchez pas à les impressionner. Ils vous acceptent sans condition là-haut. Ne l'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Soyez naturel et avec le grand cœur que vous avez. Vous savez, la spiritualité, je le répète et je vais me répéter encore une fois, la spiritualité pour moi, c'est être meilleur de ce qu'on est, transcender les distorsions que nous avons, transcender les faiblesses que nous avons, améliorer nos qualités et nos vertus. C'est pour ça que nous sommes venus ici sur Terre, pour expérimenter, faire du bien autour de nous, avec amour inconditionnel, avec notre grand cœur que nous avons toutes et tous, n'est-ce pas? Ne l'oublions jamais. L'amour rassemble. La haine sépare, la colère, la rancœur, tout ça, ça sépare. Hein.
Tandis que l'amour universel, l'amour inconditionnel, ça rassemble. Et bien voilà pour les conseils de cette carte. Je termine avec le petit message Ho'oponopono. Aujourd'hui, j'ai pigé, je bénis ce qui m'entoure et je remercie la vie. Envoyons notre bénédiction à tout ce qui nous entoure, aux situations, à nos proches, à notre travail, à notre habitation. Et remercions la vie pour tout ce qu'elle nous procure. Mais bien sûr, remercions la vie de ce que nous avons et de ce qu'elle nous procure, de ce que nous avons déjà. C'est magnifique. Remercions avec gratitude, n'est-ce pas? Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous dis à demain.